Silence, silence, viewer. Tout le monde a amené son pixel. Oui, non, fais voir cet écran que t'as, toi. C'est pas terrible, là, t'es en entrelacé, ils sont rectangulaires, tes pixels. Tu sors. Oui, bienvenue dans le culte du gros pixel. Une fois de plus, nous allons répondre sur cette planète. La bonne foi et la bonne pensée à base de paralépipèdes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu à côté duquel on est un petit peu tous passés, apparemment. Il est sorti en 2016. Et effectivement, le gros pixel, il le porte bien. Et il va vous rappeler un autre titre. Je vais vous parler de Butcher. Butcher, c'est quoi? C'est un jeu d'action, essentiellement, où vous allez avoir un petit peu de plateforme et surtout du gros carnage. Le truc qui est rigolo, c'est que le jeu présente pas très très classe. Il présente pas très très frime, puisque en guise de pixel work, on a un travail qui apparaît apparemment sommaire. Le souci étant que, en fait, une fois le pad dans les mains, son apparence, vous allez commencer à bien vous en foutre. Allez, venez, je vous emmène dans Butcher. Ça va vraiment saigner du pixel. Il est beau, il est frais, il est bien carré, beau pixel. Oh oui, je vous en mets combien de kilos aujourd'hui? Oui, Butcher, vous avez vu ça comme il déporte bien ses pixels? Oh, fort et bien gras, juteux comme on les aime. Ce jeu, pourquoi j'y reviens? Ça fait partie de tous ces titres à côté desquels on passe très très souvent parce qu'ils ont un petit nom ou alors une vignette de présentation qui est parfaitement moche. Et on se dit, oula, vu le prix, vu la taille du jeu, oui, souvent la taille c'est un indice, que ce soit pas ça qui compte essentiellement. On est face à un petit jeu tout merdique, c'est un truc que je vais refiler à un gars que j'aime pas. Mais quelle erreur, mes amis! Quelle erreur! Car vous allez le voir, Butcher c'est bien autre chose. Vous avez connu ProForce? Ça va forcément vous le rappeler. Oui, je vais sacrifier ma sauvegarde pour ce stream parce que je suis un mec trop cool avec mes viewers. Mais notez que c'est la première et dernière fois. Alors le jeu se prétend très très méchant. Et il a pas tort. Mais vu que nous sommes des gens faibles, eh ben, on va le faire en mode casual. Hein. Comme ça, je pourrais vous faire voir assez loin, j'espère. C'est un peu la panique dès le démarrage, puisque effectivement, quand je vous dis que c'est du gros pixel, eh ben, c'est du vraiment très gros pixel. L'autre panique, c'est que va falloir identifier dans ce décor tout ce qui est utilisable, et c'est pas si simple. Alors, on commande, vous avez un coup porté corps à corps, et vous avez un coup distant si tant est que vous trouviez une arme. Vous avez des tas de bonus qui font comme dans Doom. Oui, il y a un petit côté Doom 2D qui est très rigolo. Pour le jump, ça se passe tout sur la gâchette pour sauter, et puis pour redescendre, bah, on passe à travers le décor avec la direction du bas. Expliquer plus clairement, je ne pouvais pas. Et maintenant, que le carnage commence. Alors, comme dans tous les jeux à gros pixels, c'est toujours très très drôle de voir cette bouillie s'agiter sous vos yeux ébahis. Et on se dit, mais où peut être le plaisir du joueur dans ce cas-là? Patientez, ça vient. Donc vous avez retenu les commandes? C'est pas très sorcier, hein. C'est vraiment le minimum syndical. Je me demande s'il n'y aurait pas un bonus là-bas, mais je fais assez de conneries pendant les streams. On va s'abstenir. Donc là, on est dans notre belle phase tuto. Écoutez-moi cette ambiance à la New York 97. Oui, c'est l'apocalypse. Le monde ne va plus bien. Ah,
Alors il y a un truc qu'il va falloir très très rapidement apprendre dans ce jeu, c'est changer régulièrement d'armes pendant votre parcours, puisque certaines seront rapidement plus adaptées aux ennemis que d'autres. Alors ça se fait d'une simple pression sur une touche, mais faut y penser quand même. Regardez-moi ce bout de viande. Là, je me suis fait déconcentrer par le bout de viande, c'était trop rigolo. Désolé. Alors vous me direz, monsieur K, ton jeu qui est soi-disant hardcore, il est super fastoche. Et sur ça, je vais pas vous contrarier. Puisqu'on est toujours dans le tuto. Et du coup, il n'y a pas trop d'affolement à avoir pour ce démarrage, puisque ça va être bien sympa, bien cool. Et bien, oh, regardez ce qui vient de sortir. Bien détendu, on va dire. Alors, j'ai fini ma bouillie. Et on va enchaîner au niveau suivant. L'autre truc sympa, c'est que le jeu justement a pas 10 000 commandes et il enchaîne pas sur des tas de choses qu'il faut connaître. Par contre, faudra enchaîner hein, au bout d'un moment. Au début, les niveaux, ce qu'on va lui reprocher, c'est qu'ils sont relativement faciles. Bon, là, je suis en mode casu pour vous faire voir. Même en mode normal, c'est pas très compliqué le démarrage. Vous inquiétez pas, plus vous avancerez dans les niveaux, plus ça va se corser, bien entendu. J'avoue qu'on prend pas mal de plaisir à shooter toutes ces choses en gros pixels. Au début, c'est un peu étrange parce que on en bas va reconnaître qui est quoi, quoi fait quoi, et qui est vraiment très dangereux là-dedans. Mais je vous garantis que ça vient rapidement. Et puis, vu le bordel qu'on met sur un tableau, ne dites pas que c'est pas plaisant quand même. Alors inexorablement, moi le jeu me rappelle Broforce mélangé à Carrion quelque part. Je sais pas si vous avez vu la preview de Carrion. Ah, viva le world. Mais ça assume totalement sa pixel attitude. Au début ça choque un poil, mais je vous garantis que le pad en main, au bout de 3 minutes, vous allez être capté par le jeu. Donc si on récapipète, on a un saut, on a des armes qu'on peut changer à la volée. C'est le bordel dans l'écran, c'est le bordel aussi sur le tableau, dans la façon dont il est aménagé. Et ça va être le bordel dans toute une station orbitale que nous allons joyeusement désinfecter à coups de pruneaux. Alors ces choses-là, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qui m'a rappelé forcément Carrion, ce sont des portes. Et ces portes, il faut les activer. Faute de quoi, il y a des chances que vous ne soyez pas très dans le compte forme.
je sais pas trop s'il y a des bonus dans les caisses. Ça me semble être plus ou moins le cas. Il y a pas mal de bonus planqués, comme par exemple ici. Et il y a des petites astuces dans les aménagements de tableau. Alors le truc qui est sympa aussi, c'est que la visée est pas mal assistée. Ça aussi, ça facilite grandement le jeu. Probable que dans les niveaux avancés de difficulté... Dans les niveaux avancés de difficulté, ça se comporte pas exactement de la même chose. De la même manière, pardon. On va commencer par rentrer dans les niveaux un petit peu plus douloureux que la moyenne, vous allez voir, ça va être rigolo. C'est vraiment pas évident dans la bouillie pixel de repérer les ennemis. Et on se fait vachement avoir en se disant tiens, il y a un tir qui sort ce carton, mais en fait c'est pas du tout un carton, c'est un ennemi. Je sais pas du tout comment on le chope ce bonus là. Oui, le silence de monsieur qui en dit long. Ce jeu est assez terrible quoi. Parce que une fois qu'on s'est adapté à son univers très très gras du pixel, il est quand même vraiment excellent. Vous avez vu, on a une nouvelle copine en bas. Notez bien sa présence, elle va nous amuser un moment. Comment ça, monsieur K, tu bouchis, t'as un stream, tu as déjà fait ce niveau? Oui, les niveaux, c'est le seul truc regrettable, c'est qu'ils sont pas générés procéduralement pour renouveler un petit peu le challenge. Et du coup, c'est le seul truc qu'on peut reprocher au jeu. Il y a des parties du jeu aussi qui vont un petit peu vous taper sur les nerfs, puisque vous le voyez ce truc en bas à gauche, vous le voyez bien? Regardez mieux encore. Maintenant priez pour moi. Cours Forest, cours. C'était un peu chaos.
Mais bon, je m'étais déjà fait avoir sur ce niveau, je l'ai déjà parcouru. Par contre, juste après, on va rentrer dans la zone inconnue. Et là, je risque de couiner un petit peu. Parce que c'est les genres blagues qui font mal. Genre là, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va pas être beau, je pense. Oui, faut agir vite. Faut pas réfléchir. Et c'est pour ça que ce jeu est très très plaisant. Réfléchir, c'est mal. Et du coup, bah, pour ce jeu, c'est bien. Je suis full, on va passer plutôt là-haut, mais je la sens pas, la petite truc qui est là-bas, vous l'avez vu. Ça, là, ça a pas l'air très sympa. J'avais prévenu, hein. Personne m'écoute. Je sens la blague, je sais pas pourquoi. Si votre première partie, ce sera intéressant de la faire en mode casu, comme je suis en train de faire là, je vous recommande chaudement de tout de suite, direct, dès la seconde, choisir un mode un petit peu au-dessus, parce que là, vous allez réellement avoir du challenge et vous allez vraiment vous poiler. Quoi. L'écran, ça va être une boucherie sans nom. Parce que du réflexe, il va vous en falloir, et les items, il y en aura beaucoup moins, donc il va falloir gérer un petit peu ce que vous faites. Pas faire que n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc ? Il va... Ah ! Oui, c'était mal, vous me voyez. Ah, purée, un extermination en plein milieu dans un truc qui tourne. Ça va pas être super cool. Oula. 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 Oulala, oulala, là là. Ah, j'ai merdé. Du coup, c'est tendu parce que faut surveiller ce truc qui tourne mieux en même temps qu'il y a tout le reste. Ça vous sème un bordel assez incroyable. LOL. Ouh les vilains chats, ouh les vilains chats.
Ah, c'est la merde, c'est la merde. J'aurais dû passer, j'aurais dû passer. Ah, ah, au secours, à l'aide. Je me suis mis dedans tout seul. Regardez-moi ce beau carnage. Est-ce que je vous en fais voir davantage? Moi je dis ce serait gâché, je préfère vous laisser la surprise. Mais franchement, petit prix, gros pixel, action intense. Je vous recommande chaudement ce Butcher qui n'a rien à foutre de l'âge qui passe et du temps et des technologies, puisque lui il n'est pas du tout là pour ça. Il est là pour vous faire marrer et puis vous donner un bon jeu d'action style Broforce. Oui, j'insiste, qui ne manquera pas de vous amuser. On se retrouve tout bientôt. Moi, je vous laisse avec les playlists habituelles, le bouton d'abonnement, je m'enfuis.